Chers téléspectateurs, 5 de pique revient sur le parcours de la peintre Vera Yeramian. Née en 1926 en Turquie et décédée en 2000 au Liban, Vera Yeramian réside en Italie et en Belgique. Elle étudie la peinture à Bruxelles. Elle quitte ce pays après avoir été victime du vol de tous ses tableaux lors d'une exposition dans une galerie en ville. Très marquée par ce cambriolage, elle rentre au Liban. Vera Yeramian expose à Beyrouth en 1960 et en 1974, plus précisément à la Galerie One, espace inauguré par la flamboyante Hélène Hall, à qui nous avions déjà consacré un épisode. De ses sculptures à ses aquarelles, le style de Vera Yeramian varie du figuratif à l'abstraction. Femme secrète, discrète, ses œuvres puissantes parlent pour elle. Malgré son retrait de la vie mondaine, elle est assez proche des artistes comme Jean Khalife, Mounir Najm et surtout Paul Guéragossian, que les origines communes rapprochent. Le père de Vera était le président du Parti communiste arménien au Liban. Pour autant, sa fille ne s'implique pas dans la vie de la collectivité. Souvent, des traces de mélancolie ponctuent la production de la jeune femme. Ses toiles racontent son passé difficile. Ses peintures sombres rappellent qu'elle se considère issue d'un peuple maudit. Elle souffre de son statut de réfugiée. Elle trouve de grandes difficultés à s'intégrer. Elle aime pourtant vivre au Liban, qu'elle qualifie de berceau de l'Orient. Elle estime cet environnement particulièrement stimulant pour un artiste, surtout s'il a eu la chance d'être formé en Europe. La fin de vie de la peintre se déroule dans la dignité, la solitude et la mélancolie. Elle lègue au patrimoine une production aérée. Sa création est intimement liée à la condition humaine, laissant parler son âme, servie par son talent et mise au service de son regard d'artiste. De Pique vous présente Les Pêcheurs. L'œuvre a été exécutée par Vera Yeramian dans les années 50. Elle appartient à la collection du musée privé Émile Hanouche. Au second plan, les bâtisses délicates suggèrent un paysage géométrique, courant centenaire cher au cœur de la peintre. Le cadre citadin bidimensionnel est harmonieux. La pureté des lignes s'explique par l'emploi d'un minimum de couleurs. Cette technique renforce l'illusion. Le camailleux sable contraste avec le premier plan de l'œuvre. Ode à la vie, la palette chromatique azur porte des embarcations traditionnelles. La figuration représente ici une réalité stylisée hors du temps, le quotidien de pêcheurs durant l'âge d'or du Liban. L'intérêt de cette représentation est de cibler une culture générale alors partagée. Les personnages sont l'émanation d'une expression artisanale paisible, transformée en proposition artistique, capable de faire dialoguer différents courants sans heurts. Ce travail de réconciliation picturale nostalgique a le mérite de réunir des champs opposés là où bien souvent l'actualité les divise. Rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour partager 5 de pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé-Liban, consacrée à l'art en faveur d'un métissage qui convoque de multiples registres.